Etzamat, samat, samat, samalecha nafshi, kama, 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 kama lecha besari, etzamat, samat, samat, samalecha nafshi, kama, Bokerto, bokerto. Kama, 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 kama lecha besari. Etzama, tzama, tzama, tzama lecha nafeshi. Kama, 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 kama lecha besari. Ayay, tadadalai, tadadalai, lai, dadidadam, ay, tadadalai, ayayam, ayayayayay. Ay ay Bokir tov les coulins, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se passe bien. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un beau jour en Eretz Israël. On célèbre Yom Yerushalayim. C'est tous les jours Yom Yerushalayim pour un juif. Vous le savez, le nombre de fois nous parlons des Yerushalayim pendant notre journée, pendant notre tefila, ça fait partie de notre oxygène. Mais là, aujourd'hui en Eretz Israël, il y a ces juifs qui vont célébrer, et donc dans le monde entier. On se dirige vers Yerushalayim. Et puis on pense très très fort à Yerushalayim. Donc on est avec tous et toutes, de par le monde, dans ce monde francophone qui nous accompagne tous les jours. Donc en live ou en replay, je vous invite donc à liker cette publication. Je vous invite à la partager. Et je vous invite à commenter. Dites-nous Boker Tov. Dites-nous Good Morning. Dites-le en portugais. Dites-le en espagnol. Dites-le en anglais. Voilà, mais dites-le. Partagez avec nous vos émotions. C'est important. La Torah, elle vient d'un monde qui est très, très, très haut. A Torah yarda mimakom kvoda, shi irtsono u chochmato idabarech. U misham nasav yarda. On lui dit que la Neshama a fait un long voyage. Elle n'est pas arrivée comme ça d'un coup. Elle a vécu un vrai voyage. Alors, qu'est-ce que c'est ce voyage, ces pérégrinations? Ah oui, on sait, le peuple juif, c'est un peuple qui est errant. Hein, on est parti, on a marché, on évolue, on va d'un endroit à l'autre, d'un pied à l'autre. Eh oui, hein, on n'est pas toujours à ce même endroit-là. Bientôt, Bezrat Hashem Mashiach arrive là, incessamment. Et puis, on va se retrouver tous ensemble en Eretz Israël. En attendant,
Eh bien, on va s'investir dans l'endroit où on est, dans notre vie, pour faire que notre vie soit ce soit Eretz Israël, ce soit la Kedusha, la sainteté. La Torah, on nous dit qu'en fait, elle vient d'un endroit qui est très 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 élevé, puisqu'elle était tout près du trône céleste, à Kadosh Baruch Hu, de là-bas, hein, qui est son honneur, sa place initiale, qui est quoi ? Ben, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse suprême de Dieu. Elle va faire ce long voyage. Et elle va descendre par ce système-là qui est l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, des différentes vertus, des différents attributs, des différents traits. Et par ce voyage de niveau en niveau, par cet enchaînement de tous les différents mondes, elle va s'habiller dans des éléments matériels. Voilà ce qu'est le voyage de la Neshama. Alors, c'est un petit peu comme une énigme quand on le dit de cette façon-là. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, parce que j'ai dit la Neshama, c'est un lapsus qui est intéressant parce qu'on parle de la Torah, qu'est-ce que ça veut dire ici que la Torah, elle est descendue ici-bas sur Terre par le système, par cet ordre d'enchaînement des mondes ? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait différentes façons d'écrire la Torah, de la comprendre, et que de niveau en niveau, de monde en monde, cette Torah, elle a changé ? Donc il y avait différentes versions. Il y avait la version antique, et puis la version que nous avons aujourd'hui. Ou est-ce que c'est la même Torah dont il s'agit ? Est-ce que quand la Torah était dans les mondes supérieurs, c'est une Torah qui, elle, est spirituelle, ou qui parle des mêmes sujets qui sont relatés dans la Torah qu'on étudie tous les jours ? Des sujets modernes, des sujets qui concernent la vie de tous les jours, du quotidien de chacune et chacun d'entre nous. Alors on sait qu'il y a un système d'enchaînement, ce qu'on appelle la Ishtalshelut, dans la loi juive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la Torah, on nous a demandé quelque chose, on nous a donné des directives, des recommandations, des directions. Et puis, on a du mal à comprendre parfois ce que la Torah veut nous demander. Donc, il y a les sages de la Mishnah qui sont venus interpréter ce que la Torah veut dire. Après la Mishnah, il y a le Talmud, qui s'est basé sur la Mishnah, pour encore une fois approfondir et essayer de comprendre quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de nous quand il nous demande de faire telle ou telle chose dans la Torah. Après le Talmud, nous avons eu les sages de la Halakha, de la loi. Après la loi, nous avons eu tous ces maîtres de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui, qui sont des décisionnaires contemporains, et qui vont donner des décisions halakhiques, rabbiniques, sur différents sujets, et qui sont là pour ces lois et ces décisions rabbiniques, nous permettre de coller au plus près à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à ce que Dieu nous demande dans cette magnifique Torah que nous avons. Donc ce système de Ishtalshelut, d'enchaînement, de niveau qui descend, de mise à niveau si on veut, d'adaptation de, on va l'appeler comme ça, mais ça n'est pas du tout le cas, puisque nous parlons de sainteté, de vulgarisation, hein, si on peut s'exprimer ainsi. La Torah, le Talmud, la Mishnah, le Jour Halaour, la loi, etc., à travers tous ces millénaires-là, elle est là pour prendre forme et correspondre à notre vie quotidienne. On va le voir en réalité, ça va être extraordinaire ce que le Tania ici va nous dévoiler, ce qui est dit dans la Kabbalah, dans le Zohar également, c'est que chaque étape de cette Torah-là, chaque processus d'évolution, d'adaptation avec le monde dans lequel nous vivons, correspond à un monde en particulier. Vous savez qu'il y a différents mondes, vous savez qu'il y a différentes sphères, on en parle tous les jours. On va voir comment chaque étape de cette évolution-là, de ce détail de la Torah, et bien sûr, c'est une belle providence divine, on apprend ce Tania-là, hein, quelques jours avant Shavuot, donc on va vraiment se préparer de cette façon-là à recevoir cette Torah comme il faut. Hier, quand on étudiait ensemble dans le dernier cours, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, un petit replay, si vous regardez dans la page un petit peu plus haut ou sur les différents réseaux, vous allez trouver ce cours-là. On a parlé de ces 10 séphirot. Les 10 séphirot, nous l'avons dit, ce sont 10 outils qui sont mis à la disposition de la divinité, de l'infini. Et ces 10 outils-là qui se trouvent dans chacun des mondes permettent à la présence de l'infini du Saint béni soit-il de prendre forme et de prendre place, de s'intégrer dans nos limites à nous. Ils sont appelés, cette Shrina, cette évidence même, ce rayonnement de Dieu ici-bas sur Terre, qui est appelé une forme de vêtement. Il faut qu'il y ait une forme de vêtement pour s'adapter. Par ce vêtement-là, l'influence de cette lumière-là peut être possible.
Et grâce à cette influence-là, et grâce à ce vêtement-là qu'on va utiliser, cet outil d'adaptation, ce moyen de transmission, on va permettre à cette shrina, à cette présence divine, de se poser. Quel est ce vêtement-là qu'on va utiliser ? La Torah. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu parle de quoi ? De sujets matériels. Puisque nous vivons dans les sujets matériels, alors la Torah, elle crée, en fait, elle devient ce qu'on appelle le cerveau du monde. Et par l'intermédiaire de la Torah, eh bien, la présence divine peut se poser. Il en ressort quoi ? Que le principe de la Torah, le principe du monde, ces notions-là, ce sont des notions qui sont globales. Il y a le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. Et d'un autre côté, nous avons le système de l'ordre de l'enchaînement et de l'évolution de la Torah dans ces mondes-là. Et la Torah, en fait, ouais, quand elle prend cette forme-là d'évolution ou de mise à niveau et de descente et d'enchaînement de différents mondes, de différents niveaux quelque part, eh bien c'est elle qui permet à la Shrina aussi de faire ce système-là d'enchaînement et de descendre de niveau en niveau pour s'adapter aux différents mondes dans lesquels et par lesquels elle passe. Pour vraiment comprendre cela et rapprocher un petit peu cette idée-là des capacités de compréhension que nous pouvons avoir, on va introduire cela par deux principes, deux notions de base de la Kabbalah, et qui sont le principe même du système des 10 séphirot, et le système et la notion des 4 mondes. Quels sont ces 10 séphirot ? On parle des 10 chemins, des 10 formes qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de se dévoiler avec elle, par leur intermédiaire. 10 énergies. Dans le langage des Chachamim, c'est ce qu'on appelle les midot, les vertus de Dieu. On les appelle aussi les noms d'Akadosh Baruch Hu, les noms de Dieu. Chaque action de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde se fait par l'intermédiaire d'une de ces routes, d'un de ces chemins. C'est-à-dire d'une de ces séphirotes-là. Parfois, Akadosh Baruch Hu va se révéler et se dévoiler par l'intermédiaire de plusieurs séphirotes en même temps. Une harmonie, une symbiose. Quand, par exemple, il y a Matan Torah, le don de la Torah, entre parenthèses, la Chorma, la sagesse, quand, par exemple, Dieu va se révéler en tant qu'un Dieu qui parfois va punir ou parfois récompenser, c'est donc l'expression de ces vertus qui sont Chesed ou Gvura. Chesed, la bonté, la récompense. Gvura, la rigueur, la punition. Quand, par exemple, Akadosh Baruch Hu va se révéler tel un Dieu qui pardonne les fautes d'un homme ou du peuple juif, c'est un Dieu de Tiferet. Tiferet, c'est la vertu de Tiferet. Quand, par exemple, Dieu se dévoile à travers la prophétie, ça va être une autre vertu, une autre forme, un autre chemin qu'on va appeler ici Netzar ou Od. Quand Akadosh Baruch Hu crée le monde dans lequel nous vivons, eh bien, il utilise ce qu'on appelle la Séphira de Malchut. Les 10 Séphirot, elles, on les sépare en deux groupes. Les 3 premières qu'on appelle les Mochin, les cérébrales, c'est donc la Chochma, la Bina et le Da'at. Chochma, c'est la capacité de compréhension, le flash. La Bina, c'est le discernement, la compréhension, l'approfondissement. Da'at, c'est la conscience, le savoir, la connexion avec ce que nous avons compris et nos capacités à ressentir et à créer quelque chose, hein, créer une connexion entre ce que nous avons compris, ce que nous pouvons être ou faire. Ça reste cérébral. Et ensuite, ça fait naître en nous ce qu'on appelle les midot. Les midot qui sont en réalité émotionnelles. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. L'âme de l'homme, elle a été créée à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle vient, elle provient de ces 10 séphirotes-là. Et donc dans l'âme de l'homme, il y a aussi ces 10 vertus-là. Ces 10 vertus, ces 10 formes, ces 10 traits de caractère qu'on a eu, Baruch HaShem, vous pourrez le trouver dans les replays, l'occasion d'étudier profondément, il y a quelques mois, les traits de caractère. Et ça se traduit dans la vie de tous les jours, dans nos traits de caractère, dans nos vertus, dans notre façon de nous comporter, mais ça se traduit aussi dans ce qui sont en réalité nos forces, qui sont ces 10 séphirotes-là. 3 cérébrales et 7 émotionnelles. Pourquoi est-ce que ce qu'on appelle les mochines, ce qui est cérébral, dépasse et est au-dessus des vertus, des traits de caractère émotionnels ? Parce que c'est l'intellect qui crée les émotions.
Mis à part ces 10 forces qu'on appelle les 10 séphirot, on en a parlé, il y a les 4 mondes. De quels 4 mondes nous parlons ici? Alors, on fait un petit rappel. L'expression des mondes ici peut nous paraître comme éloignée de ce que c'est réellement. Quand nous parlons des différents mondes, on parle par exemple de M. Thomas Pesquet, par exemple, qui est dans une autre planète. On parle d'une autre galaxie. On parle de quoi quand on dit qu'il y a différents mondes? Quand on dit différents mondes, on a l'impression qu'il y a des galaxies qui sont lointaines, qui se trouvent quelque part, qui sont très très éloignées de nous. Mais si on vous disait que ces 4 mondes-là, ils sont en face, ils sont autour de nous. On vit dans ces 4 mondes en réalité. Ces 4 mondes-là dont nous parlons, ces 4 mondes qui sont en réalité 3 spirituels et 1 dans lesquels nous vivons, ce sont des mondes qui sont dans la réalité. Ils deviennent, ils prennent corps quand on vit dans leur réalité, quand on les sent exister. Quand on y pense, quand on dirige notre pensée, quand on est concentré et qu'on vit au rythme de ces différents mondes, eh bien on les fait exister ces mondes-là. En fait, ces mondes-là, ils ne sont pas très très loin de nous, ils sont très très proches de nous. Ils sont en nous, ces mondes-là. À nous de les faire vivre. Ces 4 mondes, en réalité, c'est 4 aspects, 4 facettes spirituelles. 4 niveaux. L'une imbriquée dans l'autre. Ce sont 4 étapes qui ont permis la création et l'existence, l'entité même de ce monde-là dans lequel nous vivons, c'est-à-dire un passage de l'infini, du Saint béni soit-il, à un existant, une entité existante qui peut nous paraître à l'œil nu comme existante, indépendamment d'une force spirituelle, en l'occurrence une force divine infinie. De cette situation de base où il n'y a que de la divinité, à l'annulation totale, Ein od milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Quels sont ces 4 mondes-là? Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, vous savez, quand on fait la bénédiction de la lune, nous disons Baruch Oser, Baruch Yotzrer, Baruch Borer et Baruch Koner. On bénit Dieu qui nous a fait, qui nous a créé, qui nous a façonné, et on emploie différents termes. C'est les termes que nous employons aussi quand on prononce le matin dans la bénédiction du matin, Elokai Neshama Shenatatabi Teorai Ataberata Atayetzarta Atadefartabi Vatameshamera Bekirbi. Ces 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, c'est donc Baruch Oser, Asiya, Baruch Yotzer, Yetzira, Baruch Borer, Beria, et Baruch Koner, le monde d'Atzilut. Le processus d'enchaînement des différents mondes, il est ainsi. Atzilut, c'est le monde de l'unicité, c'est le monde qui précède la création, c'est le monde où il n'y a que de la divinité. L'expression Atzilut veut dire Etzlo, chez Akadosh Baruch Hu, Atzilo, celui qui est. Ça veut dire celui qui est le plus proche de Dieu, Etzlo, hein, comme on dit quelqu'un qui est chez l'un, chez l'autre. Etzlo, ça veut dire que c'est un monde qui est très proche de Dieu, donc qui reflète vraiment l'infini de Dieu. C'est un monde où Akadosh Baruch Hu, lui, il a donné la forme sans vraiment donner, sans créer les formes, ça veut dire, il a donné la possibilité d'eux, aux 10 séphirot, d'exister, à ces 10 formes, à ces 10 forces, ces 10 énergies-là. Il a décidé de se dévoiler, il a décidé de donner quand même un reflet, une lumière de son infini, par l'intermédiaire de ces 10 séphirot. Et même si dans le monde d'Atzilut, ces 10 formes, elles ne prennent pas justement forme, mais elles sont là potentiellement, c'est à ce moment-là qu'il laisse ce dessin prendre quelque part, entre guillemets, forme. Le monde qui vient juste après, c'est le monde de Bria. C'est le commencement même, le démarrage, le début de ce qui veut dire être indépendamment de ce qu'est l'infini. C'est un monde dans lequel il y a cette petite graine-là, Bria, création. Ça veut dire, de ce monde-là, et à partir de ce monde-là, et ces mondes-là qui vont suivre, ce monde-là qui vont être plus bas, on ne parle plus de Dieu, de divinité réelle, dévoilée, mais nous parlons là de créatures. Bria, Yetzira. Il va s'agir ici maintenant de créatures, de différentes créatures, célestes et ensuite terrestres. Dans le monde de Yetzira, c'est l'ouverture, l'épanouissement de cet existant-là, d'être. Ça prend une forme. Et dans le monde de Asiya, là c'est vraiment l'indépendance totale de l'entité, ce qui fait qu'on peut se promener dans la rue, de voir la nature et de voir les créatures existant sans vraiment, si on veut être, allez, malhonnête, sans vraiment penser à ce qu'il y a derrière, à savoir la force divine et l'infini du Saint béni soit-il. Il y a le monde, en réalité, spirituel, et en bas, il y a le monde
à de la Asiya, qui est le monde matériel. C'est le monde que nous voyons. La différence qu'il y a entre ces différentes, elle s'exprime aussi par le côté bon ou mauvais qu'il y a à l'intérieur. Dans le monde d'Atsilut, il n'y a que du bon. Dans le monde de Yetzira, de Bria, pardon, la majorité est bonne et il y a une petite minorité de mauvais. Dans le monde des Yetzira, la moitié est bonne, la moitié est mauvaise. Et puis dans le monde d'Atsia, il y a beaucoup moins de bons que de mauvais. Le monde dans lequel nous vivons. Ces quatre étapes qu'il y a dans la création de l'âme sont nécessaires et c'est ce qui nous permet en réalité de comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé dans notre vie. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, Boker Tov, Boker Tov. Tous les matins, nous le disons dans la Tefila, dans les bénédictions du matin. Elokai, mon Dieu, Neshama, Shenatatabi, Teorai, la Neshama, l'âme que tu as mis en moi, Teorai, elle est pure. Ataberata, Taetsarta, Tanefartabi. Ça veut dire que l'expression même de dire que la Neshama est pure, c'est un petit peu comme le titre. Le titre des trois étapes, annonciateur des trois étapes qui vont suivre ensuite. La Kabbalah nous explique qu'il y a ici quatre étapes que la Neshama a vécu. Elle a vécu ce voyage-là. C'est un voyage qui s'est vécu en quatre étapes. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans ce monde-là, ici-bas. Et la première étape, c'est qu'elle est pure, Théora. Théoraï, c'est le monde d'Atsilut, c'est l'étape qui précède et qui introduit tout le reste. La Neshama, en réalité, n'a pas d'existence en tant que telle. Elle n'est qu'une partie de ce que Dieu est. Chelek Eloka Mimal Mamash. Une partie de Dieu. C'est une étape qui représente le point profond et le plus essentiel et qui représente et qui reflète notre personnalité, la plus profonde personnalité que nous pouvons avoir. Il y a déjà à ce moment-là ce qu'on appelle le niveau de Chaya ou Yechida, puisqu'on sait que l'âme, elle a différentes facettes, on en a cinq, différents niveaux d'émanation et même de transcendance. Nefesh Ruach Neshama, Chaya Yechida. Dans ce monde de Théora, c'est Chaya Yechida, c'est-à-dire le juif tel qu'il est pur. Pas quand il s'exprime, quand il est lui ce qu'il est. C'est celui qui lui donne cette force-là de Chaya Yechida, qui lui donne la force de donner sa vie, de faire Messirut Nefesh. Ensuite, nous disons Ataberata, c'est le monde de la création, c'est l'étape première dans laquelle la Neshama, elle reçoit la première graine qui lui permet d'être existant, d'être indépendant. C'est le début du moi. Mais nous ne parlons pas ici d'un ego, d'une existence ou d'une indépendance. C'est une étape qui représente le niveau de l'âme intellectuellement. Une forme de compréhension. Une forme d'approfondissement et de discernement. Ensuite, nous avons Atta Yetzarta. À quoi nous faisons référence? Au monde de Yetzira, c'est l'étape où le Ani, le moi, prend et reçoit une forme, des formes, et reçoit des traits de caractère, des facettes différentes. Cette étape-là, elle représente ce qu'on appelle « ruach ». C'est une autre dimension que l'âme peut avoir, qui est, quand on accomplit la avodat Hashem, quand on fait le service de Dieu, qu'on accomplit ce que Dieu nous demande, de manière émotionnelle, grâce aux six vertus qui vont suivre juste après. « Chesed vorat tiferet, netzach od yesod ». Il nous en reste une, la malchut. Vous savez, cette séphira qu'on est en train de compter cette semaine-là, dans le Homer. Atan et Fartabi, c'est le monde de la Asiya, le monde de l'action. C'est la dernière étape, et cette étape-là, c'est l'étape où la Neshama, elle descend dans ce monde-là. Elle descend dans un corps, et elle se transforme, elle devient complètement indépendante, elle se sépare de sa source. Le moi, il se transforme en ego. Cette étape-là représente ce qu'on appelle Nefesh, le niveau de Nefesh. Nefesh, c'est quand on agit, quand on fait concrètement, et c'est donc le reflet de la tribu, la vertu de Malchut. La plupart de toutes les âmes qui vivent dans notre génération, elles ont passé ces quatre étapes-là. Ce sont les Neshamot qui sont dans le monde de Asiya, mais il y a aussi parfois des âmes qui dépassent le monde de Asiya. Il y a des âmes qui viennent du monde de Yetira, il y a des âmes qui viennent du monde de Bria. Il y a même des âmes qui viennent du monde d'Atsilut, vous imaginez? Ce sont les âmes des grandes Tzadikim. Elles sont les moyens de transmission, celles qui permettent de passer, de faire passer la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. De la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Comme les Avot Akedoshim, nos patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ou les grands tzadikim à travers les générations. Comme par exemple Moshe Rabbeinu, qu'on disait que Shrina Menaberet Betor Chrono, la Shrina, Dieu parlait à travers ses cordes vocales.
Alors, on a introduit cela de manière assez longue et approfondie, parce que le but, c'est quand même justement ça, d'apprendre à connaître Dieu encore et encore, de s'investir dans cette connaissance-là, s'approfondir, rentrer, plonger dans cette connaissance-là de Dieu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir, elle est où la Torah ? Parce que nous avons parlé des différents mondes, nous avons parlé du processus de l'évolution de l'âme dans ces mondes. Et la Torah, elle est où sa place dans ce système-là, dans cet ordre d'enchaînement ? À quel moment elle intervient ? Alors nous allons voir qu'en fait, la Torah, elle aussi, elle fait ce long voyage. Elle va passer d'abord par ce qu'on appelle Chochma Binadat, la partie intellectuelle. Par définition, la Torah, c'est une étude. Mais la Torah, c'est aussi l'aspect des mitzvot qu'il y a dans la Torah. Accomplir la Torah, c'est être actif. C'est pas juste être avec un livre et lire au coin d'une pièce. C'est d'être actif, de vivre la halakha, d'accomplir ce que la Torah nous demande. Donc, la base de la Torah, ça va être comme cette âme-là qui est à la base. Quand elle est créée, elle vient de son monde d'Atsilut. Il y a donc la Torah telle qu'elle est dans le monde d'Atsilut. Il y a là-bas, dans son monde d'Atsilut, les bases essentielles, les fondements de cette Torah-là qui se trouve dans ce monde d'Atsilut. Ensuite, la Torah, elle va faire ce long voyage. Elle va descendre de niveau en niveau, elle va aller dans le monde d'Asiya, dans lequel nous vivons. Là, la sagesse de Dieu, elle se confronte à notre réalité, à l'action, au monde profane, au monde actuel, au monde matériel, grossier, dans lequel nous vivons. Et là, il y a un contraste phénoménal. Imaginez la Torah, qui vient du monde d'Atsilut, dans lequel, dans ce monde d'Atsilut, il n'y a rien d'autre que Dieu. Rien d'autre. Il n'y a même pas le potentiel d'existant. Il y a l'idée d'eux, c'est-à-dire des séphirotes. Mais on n'est même pas avec des séphirotes dans le monde d'Atsilut. On est dans l'envie qu'Akadosh Baruch Hu a de créer des séphirotes. Et de ce monde-là où il y a la Torah, cette Torah-là va voyager, va descendre jusqu'à notre monde à nous. Imaginez un petit peu ce voyage-là. Et donc, en chemin, la Torah, elle va vivre un vrai voyage. Et dans ce voyage-là, elle va vivre un long processus d'enchaînement qui, elle aussi, cette Torah comme l'âme, va évoluer à travers les différents mondes. Le monde d'Atsilut, le monde de Bria, de Yetzira, d'Asya. Et dans chaque monde, elle va passer à travers les différentes sphirotes, puisque nous l'avons dit, il y a différentes sphirotes, il y a différentes vertus, différents traits de caractère. Et donc la Torah, à chaque fois, elle va prendre forme et s'habiller, s'investir des différentes facettes qu'il y a dans les différents mondes. Les quatre mondes et leur processus s'expriment à travers les quatre parties de la Torah. Et c'est ce que nous allons voir, que dans la Torah elle-même, on peut voir ce long voyage de ces différents mondes que Dieu a créés. On va commencer par le monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, c'est le monde dans lequel il y a toute la partie cachée, la partie ésotérique de la Torah. Celle que nous efforçons de dévoiler à la demande du Rabbi et de tous les rébéines de la Chassidut. La Kabbalah. Toute la Kabbalah correspond à ce monde d'Atsilut. Pourquoi ? Parce que ça représente la sagesse de Dieu à sa base. C'est-à-dire la sagesse de Dieu qui ne regarde même pas le monde exister. C'est la sagesse de Dieu qui ne se reflète pas à travers des recommandations ou des mitzvot qui dépendent des objets matériels, qui dépendent de la nourriture, qui dépendent du minéral, du végétal, de l'animal et de l'homme. Il n'est pas question de tout cela. Ce sont des notions spirituelles qui ne s'attachent pas du tout à de la matérialité, a priori. Hein ? C'est-à-dire qu'à la base, quand c'est le monde d'Atsilut, voilà ce qu'il y a. La Chochma Takadosh Baruch Hu, elle se sépare complètement du monde à ce moment-là, dans le monde d'Atsilut. La seule chose qui l'intéresse, c'est Dieu. D'ailleurs, quand on étudie la Chassidut ou la Kabbalah, il s'agit de quoi ? De Dieu. On ne parle que d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, de l'infini du Saint béni soit-il. Quand on est dans le monde d'Atsilut et qu'on parle, par exemple, des 10 Séphirot, comme quand on étudie la Kabbalah, il s'agit là des 10 Séphirot, de notions de spiritualité ou de forme, de présence divine, sans qu'elles n'aient encore une forme et des limites. On est dans l'infini, toujours. Ensuite, il y a le monde de Bria et les mondes qui vont suivre le monde de Bria, Yetzira, Asiya. Là, à ce moment-là, on parle de quoi ? De la partie, ce qu'on appelle en hébreu, Niglé des Torah, et non pas Nistar. Niglé, ça va être la partie révélée, dévoilée. Étudier la Gemara, le Talmud. Celle qui a été donnée dans la Torah. Celle qui est donnée à travers la Mishnah. Et on va le voir, ces mondes-là vont refléter, représenter cette révélation-là et cette prise
matérielles que l'on peut percevoir en fonction des mondes. Cette partie-là, dévoilée de la Torah, représente la sagesse de Dieu telle qu'elle descend dans les différents mondes. La raison pour laquelle on peut connecter ça à Dieu dans ce monde-là, puisque nous parlons de choses et d'éléments matériels, physiques. Nous parlons, par exemple, eh bien, de faire attention aux champs de son voisin, de ne pas empiéter sur son territoire. Nous parlons d'un animal qui va endommager les biens d'autrui. Donc, on parle de choses, d'éléments matériels. Vous savez que dans la Tefila, tous les jours, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Dans la Torah, on dit, dans la Tefila, on dit quoi ? À Torah Techa Shelima Detanu. On remercie à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné une Torah qu'il nous a enseignée lui. Qu'est-ce qu'on veut dire ici, à ce moment-là ? En fait, on parle à ce moment-là de la Torah qui se trouve dans le monde d'Atzilut, au-delà de la matière, de la matérialité, et nous parlons aussi de la Torah que nous apprenons aussi dans ce monde de Bria. De manière spécifique, il y a dans la Torah trois parties centrales, comme les Chachamim le disent. Leholam, Yeshalesh Adam Shnotav, Shlish Bemikra, Shlish Bemishnah, Shlish Betalmud. Un homme, il doit faire en sorte que pendant sa vie, il y ait un tiers de sa vie où il étudiera le Mikra, c'est-à-dire le Tanakh, le Chumash, et un tiers de sa vie où il étudiera, ou de son temps, hein, et où il étudiera la Mishnah, et un tiers où il étudiera le Talmud. Ces trois parties-là correspondent en réalité à différents mondes. La partie du monde de Bria, c'est le monde où éclaire précisément dans ce monde-là le Talmud. Dans le monde de Yetzira, c'est là où éclaire précisément le monde de la Mishnah. Dans le monde de Asiya, ce sera donc, puisque c'est très concret, on se rapproche encore plus de la Asiya, de l'action, on apprendra à ce moment-là la Mishnah. C'est ce qui correspond à ce monde-là. On va comprendre tout de suite pourquoi. C'est important de rappeler que quand on dit que le Chumash, par exemple, le Mikra, c'est le monde d'Asiya, ça ne veut pas dire qu'il ne commence que dans ce monde ou qu'il n'existe que dans ce monde. Hein? Et de dire qu'en réalité, le Chumash, il est que dans le monde d'Asiya et qu'il n'est pas dans le monde de Bria ou de Yetzira. Ou bien de dire que le Talmud, il est que dans le monde de Bria, mais pas dans les autres mondes. Non. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il faut savoir que le Chumash, il se trouve à un niveau qui est bien plus élevé que les autres, puisqu'il les précède. C'est de dire qu'en fait, le Chumash, lui, il descend d'Atzilut jusqu'à Asiya. Parce que tout est dans Atzilut à la base. Et c'est de dire que la Mishnah, elle, vient d'Atzilut, mais elle descend jusqu'à Yetzira seulement. Et c'est de dire que le Talmud, lui, descend, il vient depuis Atzilut, depuis l'infini, et il descend jusqu'à Bria. Donc en réalité, on le sait, c'est le principe qui peut le plus, peut le moins. Donc puisque le Chumash, lui, vient de Atzilut, il va descendre jusqu'à notre monde, le monde de la Asiya. Qu'est-ce qui se passe avec la Kabbalah ? Elle est où la Kabbalah dans cette histoire ? La Kabbalah, elle ne descend pas, elle reste dans le monde d'Atzilut. Et la Chassidut ? Ben la Chassidut, c'est ce que nous allons voir. La Chassidut, elle nous permet de créer le pont et d'aller prendre cette Kabbalah qui se trouve dans le monde d'Atzilut et de l'intégrer dans le monde d'Asiya. Ça, c'est la grande révolution, Baruch HaShem, qui nous permettra d'arriver à Mashiach. C'est de vivre le message d'Atzilut dans notre quotidien, dans le monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est extraordinaire. Puisque la source de cette influence qu'il y a dans tous les mondes, lui, c'est quoi en réalité ? Nous l'avons bien compris. C'est la partie cérébrale, mochine, qu'il y a dans les différents mondes. La partie cérébrale des différents mondes, c'est ce qui nourrit en réalité la personnalité, et ce que ce monde-là va être, et ce dont il est constitué. C'est là-bas que se révèle et rayonne la présence divine. C'est là-bas que se réalise, se concrétise le niveau de Malchut, la sphère de Malchut de chaque monde. C'est la raison pour laquelle le niveau de Torah qu'il y a dans chaque monde, il est appelé ce qu'on appelle cet espace, le royaume qui est appelé le royaume de Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints de chaque monde. Quel est le Saint des Saints ? Cet endroit, le Saint des Saints de chaque monde, c'est l'endroit où se trouve la Torah. Et de cette Torah-là, qu'il y a dans chacun des mondes, il y a une lumière qui va irradier tous les différents mondes et les différentes créatures qui viendront après. Regardons dans les mots ce que l'Admoraz Akan nous dit ici, avant de continuer à approfondir cette idée. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec cette Torah et cet enchaînement ? Rak Sheyarda, mais c'est derrière Madrigot. En fait, la Torah, il faut savoir qu'elle est descendue dans un... Mais c'est terre, hein, Madrigot. Dans la partie cachée de ces différents niveaux. Mi Madriga, les Madriga. Du niveau supérieur à un niveau inférieur. Parlant de l'enchaînement des différents mondes. Jusqu'à ce qu'elle puisse s'habiller dans des éléments matériels. Ce sont les 613 mitzvot de la Torah.
Oviridata, Beishal Shelut Meolam, Meolam. Et quand cette Torah-là est descendue par ce système d'enchaînement des différents mondes, Gamashrina Yarda Vinitlavsha Babcholom Olam Veolam. La Shrina aussi, elle est descendue, elle s'habillait dans chacun de ces mondes-là. Vezeo Echol Kodesh Kodeshim, Shibchol Olam Veolam. Et c'est donc là ce qu'on a dit là tout de suite oralement, l'endroit où, qui est appelé ici le Saint des Saints, qui est le Saint des Saints qui se trouve dans chacun des mondes. Lechaim, Lechaim, Lechaim. La première étape qui va nous permettre de comprendre en réalité comment chaque monde correspond à une des parties de la Torah dont nous avons parlé, c'est déjà de voir ce qui spécifie et qui définit le monde de Bria. Nous l'avons dit tout à l'heure, le Talmud se trouve dans le monde de Bria. Qu'est-ce que cela veut dire? La Torah Takabala, elle, est le monde d'Atsilut, oui, celle qui précède les mondes de la création. Dans ce monde-là, et c'est la raison pour laquelle vous verrez que dans la Kabbalah, on parle beaucoup de ces 10 séphirotes-là. Parce que les 10 séphirotes qui proviennent du monde d'Atsilut, elles se séparent aussi dans ces 4 mondes-là. De telle façon à ce que dans chaque monde, il y ait une séphira spécifique qui soit dominante et centrale dans ce monde-là. Dans le monde d'Atsilut, par exemple, c'est la séphira de Chorma qui brille le plus, qui prend le plus de place. Pourquoi? Parce que, vous savez, qu'est-ce que c'est la Chorma? Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui sait écouter. Quelqu'un du sage, c'est quelqu'un qui sait se mettre en retrait. Celui qui ne sait pas se mettre en retrait, il ne peut pas bien comprendre. Celui qui comprend vraiment, qui est vraiment sage, et on le voit, les grands sages, ce sont des gens qui ont une forme d'humilité, de retrait, qui savent vraiment faire profil bas, parce que quand on est capable de se mettre complètement en retrait, donc laisse la place à autre chose. Quand on existe trop, quand notre ego est trop présent, on ne laisse pas la place à quelque chose de rentrer. Quand intellectuellement on est comme ça, c'est-à-dire qu'on est persuadé de tout comprendre, qu'on n'arrive pas quand on livre un livre avec une forme de soumission, d'abnégation, de modestie, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas intégrer quelque chose de nouveau. Plus on est capable de venir et de se sentir complètement vide de tout, quand on arrive vraiment à l'humilité, alors là on peut intégrer quelque chose. C'est ce qui se passe concrètement. Imaginez spirituellement ce qui se passe. Dans le travail de l'homme, la chokhma, c'est quand on arrive à arriver au bitoul. La chokhma, c'est la force du pourquoi, la force du quoi. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Je suis vide et juste, je demande juste à recevoir. Quand un homme est dans cet état-là de soumission et d'abnégation, là, il peut comprendre, il peut devenir, il peut comprendre, il peut avoir de la sagesse. Dans le monde d'Atsilut, c'est un monde où il n'y a que Dieu. Donc il n'y a que la révélation et le dévoilement de la Torah tel que Dieu existe. Donc on est dans quoi? On est dans la sphère de chokhma. Et puisque la chokhma, c'est cette abnégation, cette annulation de soi, donc le monde d'Atsilut, c'est un monde où il qui est et qui reflète l'annulation totale à Dieu. Dans le monde de Bria, il y a la séphira de Bina. Alors écoutez bien, c'est la séphira de Bina qu'il y a dans le monde d'Atsilut. La séphira de Bina, c'est que je prends l'idée que j'ai réussi à intégrer parce que j'étais dans cet état de soumission, et je commence à l'intégrer, à l'approfondir, à le discerner. Puisqu'il en est ainsi, ce qui va être central dans le monde de Bria, c'est la connaissance et la compréhension de Dieu. Le principe même de cette notion-là de connaissance de Dieu nous apprend ici qu'il y a quelqu'un qui connaît. Pour qu'il y ait une connaissance de Dieu, il faut qu'il y ait un élément qui soit extérieur à la connaissance, qui prend possession de cette connaissance et de ce savoir, et en intégrant cette connaissance et ce savoir, en l'approfondissant avec ses propres réceptacles et ses propres outils de pensée et de réflexion, elle en fait sienne. Donc, il y a un élément qui est autre que la sagesse. Là où dans le monde d'Atsilut, il n'y a que la sagesse, il n'y a que l'annulation de l'abnégation totale. Donc dans le monde de Bria, il commence à y avoir quelque chose. C'est cette partie-là. Et tous, d'ailleurs, si on regarde bien, dans le monde de Bria, toutes les créatures qu'il va y avoir dans le monde de Bria auront cette tendance-là, auront cette forme de personnalité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme créature, dites-le-moi, dans le monde de Bria? Il y a quoi d'autre comme créature dans le monde de Bria? Echaim. Est-ce que j'ai pensé à vous rappeler qu'aujourd'hui, nous étudions, pour souhaiter un très très grand Mazel Tov, parce que ce cours-là, il nous est offert par une personne qui voulait souhaiter un très très grand Mazel Tov. Alors, je ne sais pas si c'est pour son fils ou si c'est pour quelqu'un de la famille,
Mais en tout cas, c'est un grand Mazal Tov, et on leur dit un très très grand Mazal Tov avec plein de brachot pour la naissance de Yair Ben Sarah, qui vient de naître il y a quelques jours, hein, à qui on a fait la Brit Mila. Yair Ben Sarah, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une vie, une belle vie de Torah, de mitzvot, de réussite matérielle et spirituelle, et bien sûr une belle bénédiction aussi pour sa maman Sarah, qu'elle puisse guérir rapidement et reprendre toutes ses forces. Dites Amen Vamen, hein, vous pouvez le dire dans les commentaires ou chez vous à la maison, ou même en replay, faites-le, c'est important. Dans le monde d'Obiria, il n'y a pas que cette partie-là d'existant qui commence à prendre connaissance de la sagesse de Dieu. Il y a aussi tous les malachim qui ont été créés. Et c'est intéressant de voir que toutes les créatures qu'il y a dans le monde de Bria reflètent cette personnalité-là. Qu'est-ce qui fait le malach? Le malach, il est là, l'ange, il est là pour connaître Dieu, pour savoir Dieu, pour connaître Dieu. Les malachim, qu'est-ce qu'ils disent? On le lit dans la tefila, ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils disent Baruch Shem Kvod Malchut Elolam Ve'ed. Les malachim, quand ils disent Kadosh, l'âme, la Neshama qui provient du monde de Bria, elle, c'est la partie intellectuelle de l'âme. C'est la raison pour laquelle il y a aussi des Neshamot, des âmes qui viennent du monde de Bria. Ce sont des hommes qui, eux, ont pour fonction de travailler, de servir Dieu de la manière la plus intellectuelle. Ce sont des chercheurs. Ils ont besoin de comprendre. Par exemple, le Rambam, on dit de lui, Maïmonide, qu'il avait une Neshama, une âme qui venait du monde de Bria. C'est la raison pour laquelle on peut voir dans les écrits du Rambam cette nécessité-là de rechercher, d'intellectualiser tout, d'être dans cette recherche-là, cette compréhension de l'existence de Dieu. Le Talmud, lui, c'est dans le monde de Bria, parce que le processus de l'enchaînement des différents mondes, quand on passe du monde d'Atsilut jusqu'au monde de Bria, il se fait de cette forme-là. Vous l'avez bien compris, dans chacun des mondes, il y a les 10 Sephirot. Et les 10 Sephirot, ce sont les outils, les moyens de transmission de ce qui se passe dans le monde initial. Et par quelle séphira? Puisque dans les séphirotes, il y en a 10. Nous l'avons dit, c'est toujours la dernière séphira, celle de Malchut, qui fait cette transmission, là, ce passage, le passage de relais. Donc, pour que le monde de Bria, dans lequel il y a l'étude du Talmud qui se révèle et qui se dévoile, pour qu'il y ait cette lumière-là, il faut qu'elle aille se nourrir quelque part, dans un niveau qui la précède. Et elle se nourrit de quoi? De la séphira de Malchut qu'il y a dans le monde d'Atsilut. C'est le niveau de la Shrina, de la présence divine, qui se révèle et qui descend dans le monde de Bria, qui s'habille dans le Saint des Saints de ce monde-là, c'est-à-dire dans Chorma, Bina, Da'at, qui est dans le monde de Bria. Ensuite, Chorma, Bina, Da'at, ces trois niveaux intellectuels de la Torah, puisqu'il s'agit ici d'intellect, du monde de Bria, vont s'habiller, vont descendre dans la Malchut, encore une fois, qui est l'outil, toujours, rappelez-vous, qui permet les transmissions et les passages de relais. Du monde de quoi? Ben de Yetzira. De Bria, pardon. C'est la dernière séphira de Bria. Et de là va arriver en réalité l'influence et la lumière pour toutes les autres parties du monde de Bria, qui, elles, ne sont pas une partie de ces séphirotes, comme par exemple les Neshamot ou les anges qui sont dans le monde de Bria. Maintenant, deux Chorma Binadad du monde de Bria vont s'habiller aussi, et qui sont habillés dans le Malchut de Bria, qui est les dernières séphira des 10 séphirotes qu'il y a dans le monde de Bria. Il va y avoir le même processus. Il va y avoir donc en réalité la partie d'étude de la Torah qui correspond à cette lumière-là qui se trouve dans cette séphira de Malchut et qui n'est autre que quoi? Que le Talmud. L'essentiel du Talmud, c'est quoi? Eh bien, c'est de disséquer, de juger, de comprendre, d'analyser, de comprendre la raison des halakhot et des lois. Le point précis est mis où et dans quoi? Dans la matérialisation de cette étude-là. On veut arriver à quelque chose de concret. Comment agir? La Torah nous a demandé quelque chose. Comment est-ce qu'on agit? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Les halachot, les lois qui nous sont données ici dans le Talmud, elles sont incluses aussi dans le monde de Yetzira qui va suivre juste après, qui est le monde des Mishnayot, puisque c'est la Mishnah en réalité qui donne naissance à la Gemara. Mais vous l'avez compris qu'on est à l'inverse ici, puisque qui peut le plus peut le moins, et qu'on verra qu'après, ensuite, c'est le Chumash, qui a priori est le premier, lui est en dernier, il correspond au monde de Assyria. Mais puisqu'on est dans l'inverse, puisqu'en réalité, plus tu vas chercher ta source plus loin, plus haut, plus tu vas chercher haut, plus tu vas descendre bas. Ici, le Talmud, il va précéder la Mishnah. Sur la compréhension qu'il y a derrière les halakhot, qu'il y a derrière les lois, on a besoin du Talmud. Cette compréhension, elle vient de quoi? De la séphira de Bina, qui, elle, dans sa source, provient du monde d'Atsilut et qui s'habille dans le monde de Bria. Maintenant, si on regarde les halakhot elles-mêmes, ce qui est permis, ce qui est interdit, ça vient de quoi? Ça vient des vertus de Dieu. C'est pourquoi des vertus? Ce qu'on appelle les midot HaKadosh Baruch Hu.
en fonction de ce qu'on va voir, d'ailleurs, dans la Mishnah, puisque c'est la Mishnah qui va décider, d'ailleurs, avant de donner la compréhension que nous avons dans le Talmud, c'est la Mishnah qui donne les directives de base. Regardons dans les mots ce que le Admor HaZaken nous dit. Comme il est dit dans le Zohar et dans le Yetzraïm, dans les livres de Kabbalah du Yetzraïm, chez Ashrina, que l'évidence de Dieu, chez Im Malchut Da'atzilut, qui est Malchut, donc la Sephira de Malchut Da'atzilut, qui est ce niveau de dévoilement de la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il et sa vitalité qui brille et qui rayonne dans les différents mondes. C'est la raison pour laquelle elle est appelée la parole de Dieu, le souffle de sa bouche. Si on peut dire ainsi, elle derrière Machal, un peu comme une métaphore, comme chez l'homme, la parole lui permet de dévoiler la pensée cachée et voilée qu'il a en lui vers ceux qui le, pour ceux qui l'écoutent. Elle s'habille dans cette enceinte-là du Saint des Saints, du monde de Bria. Chez I Chorma Binavada Dibria, c'est la partie cérébrale Chorma Binadaat qu'il y a dans le monde de Bria. Ouve Itlab Shutan. Et quand elle s'habille dans Atzilut, ça veut dire quand Malchut de Atzilut, ou bien Chabad Chorma Binadaat du monde de Bria, s'habille dans Be Malchut de Bria, dans Malchut de Bria, parce qu'on l'a vu, c'est toujours le point de passage Malchut. Nivreu aneshamot vers Malachim Shevriya vont être créés les âmes et les anges qu'il y a dans le monde de Bria. Vegamisham, mais également de là-bas, c'est-à-dire de Malchut de Bria, Nimshach Talmud chez Lefanenu va provenir, va venir donc le Talmud que nous étudions, Baruch Hashem, qui est devant nous. Uchmo Shenitber, comme il a été expliqué plus haut, mais Shema Tikkunim au nom des Tikkunim, c'est-à-dire au nom de ces livres-là de Kabbalah, ces textes de base de Kabbalah, Shebeola Mabriya, Meirot ou Mashpiot Sham Chochmato Binato Vedato Shenitsov Baruchu Buchinatim Tzumatzum. Que dans le monde de Bria, il y a cette influence, il y a ce rayonnement de la sagesse, de la compréhension, du savoir et de la conscience de l'infini du Saint-Béni soit-il, mais que tout se passe à un niveau de tsimtsum, de condensation, de compression et de voile total, véritable. Pourquoi ? Birdesh yuchlu aneshamot ve'amalachim, afin que les âmes et les anges puissent, qui eux sont dotés quoi ? De limites, de frontières et de barrières, shemba alekvul ve'tachrit, les kabel hashpam b'chinat chochma binavadat et nous, elle puisse recevoir cette influence à un niveau de chorma, de sagesse, de compréhension et de savoir. Et on termine avec ça. Et la reine, Nimshach Mishama Talmud, c'est la raison pour laquelle vient du monde de Bria, vient le Talmud. Pourquoi ? Shugankem Chinat Chorma Binadat. C'est quoi le Talmud ? C'est du cérébral, c'est de l'intellect, comprendre, discerner, reposer des questions, retourner les phrases d'un côté et de l'autre, trouver des contradictions, essayer d'adapter à chaque fois les textes en fonction des avis de l'un de l'autre, etc. Pourquoi chez Talmud ou Tamir Alachot al-Bourgan, c'est comprendre le raison des lois et de manière la plus parfaite possible. Et les raisonnements, les raisons qui nous permettent de comprendre ce que la Torah nous demande, ce sont donc Chorma Binadat, c'est justement cette partie cérébrale qui se révèle. Maintenant, les Alachot elles-mêmes, avant qu'elles soient ces raisons, avant qu'on ait les raisons de ces lois-là, eh bien, elles, c'est celles qui sont données dans la Mishnah, qui vont venir dans le monde d'après, qu'on va développer Bezrat Hashem demain. En mimidotav shelinsof baruchu, elles viennent des vertus de Dieu, de l'infini du Saint-Béni soit-il. Shein chesedin verachamim, rachamim roulé. Ça va donc être l'aspect et la révélation et le dévoilement de l'attribut de miséricorde de Dieu, de rigueur, de bonté. Shemen imchachaiter veissour. C'est de là que vient, par exemple, ce qui va être permis à la consommation, ce qui va être interdit à la consommation, ce qui va être kasher, ce qui va être pasoul, verachiou verpetour. Ce qui nous rend obligés de quelque chose, ce qui fait que nous sommes quittes de faire quelque chose ou pas. Comme il est dit dans les textes de la Kabbalah. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Très très intéressant, Tania, qui nous apprend énormément de choses, énormément de bases. N'hésitez pas à le regarder encore une fois. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le commenter. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavua Tov, Mazal Tov. Encore une fois, un très très grand Mazal Tov à Yair Ben Sarah. Et que Dieu vous fasse qu'il puisse grandir dans la Torah et dans les mitzvot. Est une source de bénédiction pour tout le Klal Israël. A très bientôt et tôt et que Dieu vous bénisse.